Hey, je suis presque partie. Et en fait, aujourd'hui, je commence les préparatifs, les derniers, les vrais. Donc là, je suis à Decathlon et je vais acheter la fin de mon matériel pour préparer. Et ensuite, il va falloir réviser, montage de tente et compagnie. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est parti. Ah bah mon vélo, je change. On est rentré. Bon, j'ai dévalisé Decathlon encore. Donc là, en fait, c'est ma dernière ligne droite. A priori, dans une semaine comme maintenant, je suis sur mon vélo. Donc aujourd'hui, j'ai acheté tout mon matériel un peu de survie. Chambre à air, kit de réparation, donc rustine et compagnie. Une pompe, une selle en silicone pour mes fesses. Un antivol. Des gants pour éviter les fourmis dans les mains. Des couverts en plastique que je peux réutiliser. Et j'ai commandé un super kawé qui me coûte un bras. Hein. 50 balles le kawé, c'est cher pour moi. J'ai plus de sous. Mais par contre, il est bien parce qu'il va me servir pour le vélo. Mais surtout, il va aussi pouvoir me servir quand il pleut dans le nord, puisqu'il pleut tout le temps. Et cet hiver en Asie, puisque je pars, c'est encore la saison des pluies quand je vais arriver là-bas. Donc il faut absolument que j'ai un bon kawé. Et celui-là sera parfait. Et je l'aurai lundi puisqu'il a été commandé. Bon, cet après-midi, je fais pas de vélo. Je fais une rando avec Sarah. Coucou. Et on est... Alors, préparez-vous. Hein. On est à... Zoukok. Je ne sais pas le dire. À côté de Bredun. Et on va faire une rando dans la dune du marchand. Et... il faut, première étape, il faut passer par une chicane. Et on en est au stade, c'est quoi une chicane? On a trouvé! Alors, on vous explique. 23. Je repose ma question, on suit quel numéro? Le numéro 3. Attends. Franchissez le passage à nouveau si tu suivais le sentier de la mer. Une boisée, dune blanche, aoya, loya, nanani, on s'en fout. La mer ! Nous sommes dimanche quelque chose en août. En tout cas, aujourd'hui, j'ai ma formation vélo technique parce que mon papa part en week-end demain, lundi. Ouais, ils ont le droit de partir la semaine. Qu'ils sont à la retraite. Et du coup, au cas où je me décide à partir pendant qu'ils sont pas là, parce que la météo me dit go go go, il faut que je sois prête. Bon allez, on vent ou pas, je vais aller rouler un peu, ça me fera pas de mal. C'est parti! Bon, nous sommes mardi. Hier, j'ai fait un micro-tour à vélo, mais vraiment ridicule. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire parce que je suis en train de faire ma tenue de vélo. Et du coup, je vais faire un petit tour puisque je vais aller faire les courses à vélo et je vais prendre un petit détour histoire de faire un kilomètre en plus. Faut qu'on m'explique comment c'est possible. J'ai sorti mon vélo, j'ai fermé le garage, j'ai fait le tour par la maison et je suis sortie. Il a dû se passer une minute. En une minute, c'est une araignée qui a eu le temps de s'accrocher à mon vélo pour faire une toile. Et... mercredi! Et je porte les vêtements que je me suis cousus hier. Donc là, j'ai mon t-shirt et mon cycliste. Je vais aller faire du vélo parce qu'il fait super beau. Il n'y a pas de vent. Et comme ça, je vais pouvoir tester si j'ai fait des trucs qui vont tenir dans le temps. Parce que si mon cycliste craque, je vais avoir l'air con, non? On va aller tester tout ça. Hein. Donc en fait, je fais joujou avec mon nouveau pied que je peux accrocher partout et ma télécommande. Donc c'est à peu près la cinquième fois que je m'installe quelque part là depuis que je suis partie. Donc en gros je fais pas de vélo hein, concrètement. Sauf que là je commence à ne plus avoir de jambes à cause des orteils. Bon aujourd'hui je fais des essais avec ma GoPro parce que j'avais pas encore trop trouvé comment la poser pour que ça donne des images utiles. Du coup
bah, je vais aller faire du vélo rien pour tester. Nous sommes vendredi, je pars dimanche. Un miracle s'est produit ce matin. J'ai reçu ma carte d'assurance maladie européenne. C'est autogonflant pendant un quart de seconde. Je vais donc dormir sur 2 cm d'épaisseur pendant 10 jours. Deuxième étape, le duvet. Donc, en fait, j'ai cette housse-là qui est pour je ne sais pas trop quoi de chez Decathlon. Et du coup, je réemballe mon duvet. Parce que s'il pleut, j'ai pas du tout envie qu'il soit humide et de mourir de froid. Bon, on s'attaque à la tente. Je n'ai pas monté de tente depuis 7 ans. Et voilà ma maison. Et le plus dur, il faut tout remballer et tout rendre tout compact. C'est ça qui est difficile. Ça me saoule, je pars plus. On s'emballe pas, il reste le duvet et le matelas. Salut, samedi 26, je pars demain. Alors, je fais ce que je fais tous les jours depuis quelques temps. Je regarde la météo. Là, déjà, pour prévoir ma tenue de demain. Bon, bah, 26 degrés, a priori. Il va faire chaud. Je pars en cycliste. Je vais avoir l'air cycliste. Je commence à accumuler tout ce dont j'ai besoin pour partir. Et maintenant, on va rouler les vêtements. Parce que ça prend moins de place de rouler plutôt que de plier. Bah, ce matin, là il est 11h et je vais aller faire les courses pour avoir de quoi manger demain. Tout ça, il faut que je mette là-dessus. Alors Ernesto, tu te sens comment? Lourd?